Bonjour à vous et bienvenue sur foodiesbox.com, je suis Bernard et aujourd'hui je vous propose une recette de tourne d'eau avec une purée de cèpes et une poêlée cèpes et châtaigne. Pour cette recette, deux ingrédients de votre foodiesbox. Tout d'abord la purée de cèpes de la marque Super Sec et l'huile d'olive de Seira de Yegas, une huile d'olive bio. Des cèpes, des châtaignes, de l'ail, du lait et deux pièces de tourne d'eau. On commence tout de suite en faisant chauffer le lait. On va le mettre sur feu modéré, on va le porter à frémissement. Là, on va ne faire que suivre la recette du paquet de notre purée de cèpes. On va ajouter également de l'huile d'olive. La purée de cèpes est terminée. On va maintenant faire la poêlée de cèpes et châtaignes. On va hacher de l'ail et on va faire revenir tout ça. On va mettre de l'huile d'olive. On va ajouter l'ail, l'ail frémi. On va ajouter les cèpes. Pendant que les cèpes sont en train de cuire, on va pouvoir hacher grossièrement les châtaignes. Tout est prêt, la poêlée de cèpes et châtaignes, la purée de cèpes également. Maintenant, on va faire cuire le tourne d'eau. Alors, une poêle bien chaude. La viande est cuite. On va prendre la viande. Et il suffit de la servir maintenant avec la poêlée. Et la purée de cèpes. Vous pouvez également ajouter un peu d'huile d'olive sur la purée. Et voilà un plat bien automnal pour bien commencer la saison qui arrive. Je vous dis à très bientôt pour la Foodiesbox de novembre. En attendant, retrouvez-nous sur foodiesbox.com. À très bientôt.